cas, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième mercredi des sciences. Donc, pour ceux qui n'étaient pas déjà là lors du premier mercredi des sciences qui a lieu en décembre, je vous rappelle juste un petit peu le concept qui a été créé en fait autour de ces mercredis des sciences, donc qui est donc d'organiser au moins une fois par mois un rendez-vous de la sorte, donc un webinaire d'environ 1 heure sur une thématique à chaque fois différente et avec un invité à chaque fois différent. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Guillaume Lecointre. Et donc, on était le mois dernier avec Marc-André Sellos. Et donc, et bien sûr, enregistré. On reviendra vers vous avec le lien vers l'enregistrement si jamais vous souhaitez récupérer l'enregistrement. Il sera aussi communiqué à toutes les personnes, comme je le disais au tout début, à toutes les personnes qui en ont fait la demande, étant donné que le webinaire était complet. On a eu énormément d'inscriptions et par peur d'atteindre la limite de participants le jour J, on a dû un peu bloquer les inscriptions. Mais vous aurez tous les inscrits et toutes les personnes qui ont fait la demande auront bien le replay. Et on continuera donc avec un autre mercredi des sciences le 10 février. Et on vous donnera toute la communication très bientôt. Ce sera avec Céline Bon C'est ça, voilà. du Musée de l'Homme, voilà, qui nous parlera de génétique et d'histoire de l'humanité. Voilà, donc le prochain rendez-vous, vous pouvez déjà d'ores et déjà l'inscrire dans les agendas. Pour ma part, je vous transmettrai le lien d'inscription rapidement. Donc, n'hésitez pas à suivre à la fois, donc à bien regarder vos boîtes mail ou à m'écrire un mail parce que vous avez lors de votre inscription mon mail. Donc, si jamais autour du début février, vous n'avez eu aucune nouvelle du nouveau mercredi des sciences, n'hésitez pas à me faire un petit mail et sinon à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi puisqu'on communique à chaque fois les liens d'inscription dès l'ouverture en fait des inscriptions sur nos réseaux sociaux, donc à savoir Facebook et Twitter notamment. Voilà, donc merci à tous et du coup sans plus attendre, je vais laisser la parole à Guillaume pour cette petite conférence. Merci Violaine. Un petit point technique, Violaine. Vous voyez mon écran, mais est-ce que vous voyez, comment Oui, dire, le curseur, la petite flèche, oui. le curseur, vous le voyez, mais Oui. comment dire, les franges techniques sur les bords, vous ne les voyez pas. Non. Non. D'accord. Vous voyez que l'image du PowerPoint. D'accord. Donc vous n'êtes pas gêné par comment dire, les marges techniques en haut et en bas de mon écran. OK. Non. Non, c'est bon. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Bon. Bonjour à tous, Guillaume Lecointre, professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Je suis enseignant-chercheur et j'ai toujours fait ma carrière en collaboration avec le monde enseignant pour que la science que nous pratiquons soit évidemment le plus fidèlement transmise possible vers nos futurs concitoyens. Alors justement, on est dans le sujet aujourd'hui. Vous n'ignorez pas que la presse, depuis un peu plus de 2 ans, se fait le relais de difficultés croissantes que les enseignants du secondaire ressentent à travers des événements ponctuels de contestation dans l'espace de la classe, du contenu même de l'enseignement par les élèves. Ça avait été soulevé déjà le 18 mai 2018 par un hors-série du journal Charlie Hebdo, avec 60 témoignages d'enseignants, toutes matières confondues. Évidemment, tout le monde a en tête le catastrophique événement du mois d'octobre et novembre, et puis plus récemment, le rapport qui vient de sortir, dirigé par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, sur, une fois encore, la façon dont les enseignants vivent leur métier face aux contestations du savoir dans l'espace de la classe et, comme en témoignent les enseignants, du peu de soutien qu'ils sentent de la part de leur propre hiérarchie pour faire face à ces contestations. D'ailleurs, ce même journal Charlie Hebdo a, pour la semaine du 6 janvier, relaté déjà une partie des résultats de l'enquête IFOP Fondation Jean Jaurès.
Tout ça, ce sont des éléments que vous connaissez parce que vous le vivez. Et de mon côté, je me suis intéressé sur, je me suis intéressé à, comment dire, aider, aider les enseignants, si, on, si je le peux, à faire face à ces contestations. Pourquoi? Parce que je suis directement concerné. Mon métier, c'est de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissances scientifiques. Et ce sont ces mêmes connaissances scientifiques qui se retrouvent parfois contestées publiquement au motif qu'elles ne sont pas compatibles avec l'opinion personnelle de l'élève ou sa religion. Et donc, la question se pose de la légitimité d'un discours dans un espace qui est un espace public. L'espace de la classe, c'est un espace politique et c'est un espace cognitif. Et c'est à travers ces deux prismes que j'aimerais vous parler d'une distinction entre savoir, croyance et opinion aujourd'hui. Alors, est-il légitime de contester un contenu de connaissance au motif qu'il n'est pas compatible avec son opinion personnelle ou son, sa religion dans l'espace de la classe? Pour répondre à cette question et pour aider l'enseignant à pouvoir y répondre de manière à la fois didactique et laïque, eh bien, il y a deux volets. Il y a le volet politique et il y a le volet cognitif. Le volet politique de la réponse, c'est caractériser politiquement ce que c'est que l'espace de la classe. L'espace de la classe est un espace public qui réalise un projet républicain de société, notamment du point de vue de ses contenus tel qu'il a été prévu par Condorcet, ici présent, sur cette image. Condorcet, en 1792, établit quel type de discours allait être légitime dans l'espace scolaire. Ce sont les savoirs qui sont mobilisés dans l'espace scolaire pour forger une représentation collective et rationnelle du monde réel sur laquelle le citoyen va se baser de manière à pouvoir jouir de ses droits et exercer ses devoirs. Car Condorcet, c'est l'héritier des Lumières, c'est un des acteurs de l'esprit des Lumières, et comme vous le savez, les Lumières considèrent que la raison est un des ressorts sur lesquels la citoyenneté va pouvoir se construire, car la raison est conçue par les Lumières comme émancipatrice. Et donc, suite à Condorcet, l'espace scolaire est un espace politique où, du point de vue de ce qui est enseigné, du contenu, les savoirs vont être mis en avant. Si on devait faire une échelle de légitimité, les savoirs sont plus légitimes dans l'espace scolaire, et ça, il en a été ainsi décidé politiquement, que des opinions personnelles ou que des appartenances religieuses. Ceci, vous le savez, tranche avec l'espace scolaire tel qu'il existait sous l'Ancien Régime, où l'espace scolaire était dirigé, piloté par les représentants de l'Église. Et évidemment, à l'époque, c'était le contenu et les prescriptions morales du texte biblique qui avaient la priorité, on va dire, dans l'enseignement. Donc, l'espace scolaire, il y a une règle du jeu. Les savoirs sont en avant parce que il en a été décidé ainsi. Ça peut vous paraître arbitraire, mais ça l'est parfaitement. Décider ce que c'est qu'un programme scolaire, c'est un acte politique. Comment dire, arbitraire. J'entends par arbitraire le fait que ça ne tombe pas d'une évidence ou ça ne tombe pas du ciel, ça se décide. Et ensuite, le deuxième volet de la réponse, il est cognitif. Si on dit que les savoirs sont prioritaires dans l'espace scolaire, qu'est-ce que c'est qu'un savoir par rapport à une croyance ou une croyance religieuse ou une opinion? Et c'est là que j'aimerais pouvoir épauler, si je le peux, les enseignants du point de vue didactique. C'est une didactique de la distinction entre les quatre postures mentales, en quelque sorte. Distinction didactique, donc. Alors, pour aider les enseignants sur ce volet, je vous propose deux critères. J'ai un petit souci de technique. Je n'arrive pas à passer à l'image suivante. Pourquoi? Alors, je vais trouver, hein. Pourquoi? Ah, c'était bloqué. Voilà, c'est parti. Alors, je vous propose deux critères. Un critère qui dans la colonne de gauche, consiste à examiner si ce qui est dit est assumé à titre collectif ou assumé à titre personnel. Et puis, sur la colonne de droite, examiner si ce qui est dit peut se justifier rationnellement par la personne qui affirme, donc est-ce que la personne est capable de justifier ce qu'elle dit, ou s'en remet-elle à une autorité, un principe d'autorité
que peut constituer une table éditoriale, un journal, un site web, mes parents, mes grands-parents, un chef religieux, un texte sacré, enfin tout ce qu'il peut faire pour la personne autorité. Tout ce qui peut, en quelque sorte, remporter la confiance de celui qui affirme. Ces deux critères, évidemment, pourraient être vus comme simplistes, mais ils sont justement, puisque je me place non pas du point de vue d'une épistémologie sophistiquée, mais du point de vue résolument didactique, faisons simple pour dégager les grandes masses, en quelque sorte. On sophistiquera plus tard, si vous voulez, mais on commence par simple, parce qu'on est vraiment là pour élaborer des outils dont les enseignants devraient pouvoir s'emparer sur le terrain, en fait. Et je vous dirai tout à l'heure, d'ailleurs, l'expérience de terrain que je connais par rapport à ce tableau. Donc, est-ce que ce qui est dit est assumé à titre collectif ou personnel, et est-ce que ce qui est dit se justifie par celui qui affirme, ou est-ce que celui qui affirme s'en remet à un principe d'autorité? Les savoirs, pour commencer, les savoirs se caractérisent par précisément la capacité de l'individu qui sait à justifier ce qu'il sait. Quand je sais pourquoi je sais ce que je sais. Le savoir est une entreprise de justification permanente, en fait, ou du moins résulte d'une entreprise de justification permanente. Que cette justification soit individuelle à l'échelle de celui qui sait, ou que cette justification soit collective, et ça c'est tout particulièrement vrai des savoirs scientifiques, les savoirs scientifiques ne cessent de se justifier en permanence face à des mises en demeure de se justifier. Alors, des mises en demeure, le mot est peut-être un peu fort, mais les savoirs scientifiques tout particulièrement passent leur temps à remettre en cause dans leur processus de genèse ce qui était su précédemment, ce que l'on trouve sur le moment, et ainsi dégager ce qui résiste et donc ce qui est solide, ou alors, dans ce cas-là, dans le cas contraire, améliorer ce qui ne le serait pas, ou même changer carrément ce qui ne le serait pas. La légitimité des savoirs tient à leur ouverture à une remise en cause permanente. En gros, les savoirs scientifiques, tout particulièrement les savoirs scientifiques, sont légitimes parce qu'ils ont résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Les savoirs scientifiques sont légitimes parce qu'ils sont potentiellement périmables. C'est-à-dire que nous, les scientifiques, nous nous méfions de la notion de vérité, nous y préférons la notion de fiabilité, c'est-à-dire que ce qui est tenu pour fiable est ce qui a résisté, c'est ce qu'on a de mieux sur le moment, ça a résisté à plusieurs tentatives de déstabilisation, et on sait que demain, ce savoir qui est fiable, demain, il pourrait être amendé, demain, il pourrait changer, voire même carrément changer. Un petit exemple tout bête, il y a 5 ans, on pensait que l'espèce humaine avait 200 000 ans. Eh bien, en 2018, 2017, 2018, on a trouvé des fossiles humains au Maroc ces fossiles ont reculé de 100 000 ans, l'âge qui était classiquement attribué à l'espèce humaine. Donc, ce qui était tenu pour fiable il y a 200 000 ans, il y a 5 ans, a changé et est devenu un autre résultat, en fait. Ce n'est pas évident pour nos élèves que de se dire que les savoirs scientifiques sont légitimes parce qu'ils sont potentiellement périmables, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à la remise en cause selon une certaine règle du jeu. Alors, la règle du jeu des scientifiques, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça nous emmènerait trop longuement, mais en tout cas, la science, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des attendus cognitifs, il y a des règles de l'objection, il y a des règles de l'affirmation qui font que, on n'a pas besoin d'une autorité, quelle qu'elle soit, pour statuer sur ce qui est fiable ou pas. Quelque chose n'est pas vrai ou faux ou fiable parce que c'est le patron du labo qui l'a dit ou parce que ma grand-mère l'a dit. Ça, c'est assez classique. La sociologie des sciences de Robert Merton dans les années 50 avait établi le fait que l'espace du laboratoire scientifique est un des rares espaces de la société où on vous ne demande pas de croire, mais où le principe d'autorité n'a pas lieu d'être cité. Il y a d'autres règles qui remplace en quelque sorte le principe d'autorité. Donc les savoirs scientifiques se justifient, et cette justification, je le disais, elle a lieu collectivement. Là, sur la colonne de gauche, il y a un C, c'est-à-dire que nous, les scientifiques, nous travaillons en équipe, nous élaborons nos articles en équipe, et ces articles sont publiés vers des journaux scientifiques spécialisés,
enfin, ils sont soumis pour publication. Les tables éditoriales de ces journaux envoient le manuscrit à des évaluateurs. Ces évaluateurs rendent un avis sur le manuscrit. En fonction de cet avis, le manuscrit sera accepté pour publication, amendé ou refusé. Le processus collectif de validation des savoirs est éminemment collectif, oui, comme je l'ai dit, mais à l'échelle internationale, ce n'est pas fini d'ailleurs, même si l'article est accepté pour publication. Eh bien, si un résultat qui n'est publié qu'une seule fois tombe aux oubliettes, il ne s'inscrit pas dans le registre des connaissances relativement stabilisées. Il faut attendre un congrès international et la confrontation de différents articles pour que ce qu'on appelle la communauté scientifique, c'est-à-dire un collectif professionnel, valide en quelque sorte un savoir. Le contexte de validation des savoirs fondamentaux, il est véritablement collectif. C'est pour ça que les scientifiques, d'ailleurs, se réunissent en congrès. C'est cette dynamique collective qui est en œuvre de stabilisation des savoirs et, évidemment, de réfutation de savoirs qui deviendraient caduques. Donc, les savoirs fonctionnent comme des biens publics justifiés rationnellement. Passons maintenant aux croyances. Alors, les croyances habitent les individus et ces individus, finalement, font confiance à quelqu'un lorsqu'ils ne peuvent pas justifier par eux-mêmes ce qu'ils tiennent pour fiable. C'est exactement mon cas sur certaines connaissances de physique des particules. Si je vous affirme quelque chose qui relève de la physique des particules, je ne suis pas physicien des particules. J'ai lu je l'ai lu dans un livre écrit par un physicien des particules. Et pour moi, ce physicien, eh bien, il fait autorité. Et donc, je remets ma confiance à cette personne pour dire quoi que ce soit en physique des particules. Nous avons besoin de cette confiance pour faire société commune. Cette confiance, ma confiance, elle est personnelle, ici, sur la colonne de gauche. Eh bien, ma confiance, je la remets à quelqu'un qui a des signes de confiance. Alors, les diplômes, typiquement, c'est ça. Ce sont des labels garantis par l'État. Les diplômes sont des biens publics qui nous permettent de nous fier à certaines personnes qui sont expertes dans certains domaines. Mais on a toujours tendance, malheureusement, et ça je le remarque de plus en plus, à vouloir faire de l'expert un expert en tout. Ça, les médias nous y poussent en plus. Ce qui donne des complexes à nos concitoyens, qui récusent une société des sachants versus une société des non-sachants. La problématique, à mon sens, est mal positionnée. Nous sommes experts dans un domaine donné. Moi, je ne suis pas expert en plomberie et un plombier sera beaucoup plus pertinent que moi pour parler de plomberie et il aura toute ma confiance. En reconstruction phylogénétique, ce plombier ne sera pas digne de confiance et ce sera plutôt moi qui sera davantage légitime. Ce que je veux dire là, c'est que nos légitimités, elles sont mosaïques. Il n'y a pas à essentialiser les légitimités. Malheureusement, les médias nous y poussent. On va interroger un scientifique sur la mode ou sur le dernier film qui est paru au cinéma, comme si un scientifique, parce qu'il est expert dans un domaine de la science, pouvait être expert dans n'importe quel domaine de la connaissance. Il n'y a pas de complexe à faire sur cette échelle des légitimités dès lors qu'on a compris que ces légitimités, elles sont restreintes à des domaines de la connaissance particuliers et qu'elles sont mosaïques. Il n'existe pas d'individu qui soit omniscient, qui soit encyclopédique et qui soit expert sur tout. Et donc, n'ayons pas de problème avec les experts. Les experts sont experts dans un domaine, dans leur domaine, en fait. Et c'est des domaines dans lesquels, bah, grâce au diplôme, l'État nous invite à faire confiance à la personne parce qu'on ne peut pas tout redémontrer tout le temps. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, j'espère que vous me faites un peu confiance, compte tenu de mon CV, de mon métier, de mes diplômes. Il y a des garanties qui vous incitent à la confiance. Et puis, cette confiance, évidemment, ne vous empêche pas de lever la main et de poser une question. Et c'est là que j'y viens. Je disais donc que cette confiance, elle est socialement utile. Nous avons besoin de nous faire confiance les uns les autres. Mais cette confiance reste ouverte à l'antichambre du savoir. C'est-à-dire que le physicien des particules dont je parlais tout à l'heure, si je veux avoir des précisions, je peux lever la main et lui poser une question, lui demander de justifier ce qu'il dit. Et plus je lui pose de questions, plus moi-même je deviens en quelque sorte en mesure de justifier ce que j'ai compris. Et donc ça nous amène à l'élève et à la complexité de l'espace de la classe. C'est que la classe, le milieu scolaire est un milieu sur le plan cognitif assez complexe parce que le contenu de ce qui est enseigné
c'est bien du savoir, mais la posture de l'élève, la posture qu'on demande à avoir à l'élève est une posture de crédule consentant, momentané. On lui demande de faire confiance à l'enseignant, et heureusement d'ailleurs, mais cette confiance, je le répète, n'empêche pas l'élève de lever la main et de demander à l'enseignant de se justifier. De proche en proche, cette crédulité consentie et temporaire amènera l'élève vers ce qu'on pourrait appeler l'antichambre du savoir. L'élève pourra à terme peut-être justifier ce qu'il sait en ayant reçu évidemment des éléments d'explication de la part de son enseignant. Donc cette confiance-là, elle est socialement utile, et d'ailleurs on passe la plupart de notre journée à faire confiance à autrui, et heureusement, pour prendre un train, pour mettre son enveloppe dans la boîte aux lettres, ayons confiance dans les services publics, sans quoi on se demande encore comment nous pourrions faire société commune si ce serait une société complètement marchande et marchandisée, et même le commerce repose sur des relations de confiance. Donc vous voyez, ça va loin. Alors, on va justement maintenant s'intéresser à la croyance religieuse, qui est aussi un processus dans lequel on s'en remet à une autorité, mais ce qui est cru, au motif qu'on s'en remet à cette autorité, ce qui est cru va souder un groupe de co-religionnaires. Dans l'adjectif religion, vous avez la racine étymologique du lien. Alors, selon les exégètes, ce lien, il s'agit du lien qui relie les co-religionnaires entre eux. Mais ce lien, c'est aussi, selon d'autres, le lien entre le religieux et sa transcendance, la transcendance à laquelle il adhère. Certains pensent aussi à la racine du mot « relire ». Mais quelle que soit l'étymologie de l'adjectif religieux, on n'imagine pas une croyance religieuse dont un seul individu serait le détenteur. On n'aurait plus besoin d'y ajouter l'adjectif religieux, ça serait une croyance de l'individu. Donc la croyance religieuse, elle se caractérise justement par son caractère collectif, et ce qui est cru, ce qui est tenu pour fiable, va souder en quelque sorte le groupe des co-religionnaires. La croyance religieuse, on la reçoit d'autrui, et elle repose, comme toute croyance, sur un principe d'autorité. Mais contrairement à la croyance précédente, elle est indifférente à sa justification rationnelle, parce qu'elle ne repose pas sur le même ressort cognitif. Si vous demandez à un croyant religieux de justifier rationnellement sa croyance, vous l'agressez sans le savoir ou sans l'avoir voulu, parce que les raisons pour lesquelles on adhère à une croyance religieuse n'ont rien à voir avec le programme d'explication rationnelle et collective du monde réel qui peut être le programme des savoirs. On est davantage sur des questions de sens, sur des questions de recherche de sens, voire même des questions de foi ou le besoin de se rassurer. Et il ne faut pas se tromper de porte. Ne demandons pas aux croyances religieuses d'expliquer rationnellement et collectivement le monde, d'un côté, et ne demandons pas aux sciences de vous rassurer, de nous rassurer de l'autre côté. En quelque sorte, les fonctions fondamentales sur lesquelles ces deux postures mentales reposent sont complètement différentes. Et donc, la croyance religieuse repose sur une adhésion, alors soit par introspection, soit par principe d'autorité, une adhésion à un discours qui est déjà tenu par un collectif qui, pour l'individu, est digne de foi ou est digne de confiance. On est typiquement dans le registre du principe d'autorité au sens large, hein, c'est-à-dire je remets ma confiance à ce collectif pour résoudre une question de sens ou me rassurer sur le lendemain. L'opinion, elle, est polymorphe, c'est-à-dire qu'elle se nourrit, mon opinion, d'abord c'est mon opinion personnelle que je vais forger à partir de mes lectures et à partir de personnes qui sont compétentes ou que je juge compétentes sur certains sujets. Et donc les opinions, elles se nourrissent autant du principe d'autorité que d'éléments de justification que je sais mobiliser par moi-même. Et donc, sur la colonne de droite, l'opinion, elle est plutôt polymorphe, et c'est la mienne. Alors, il y a bien un phénomène qu'on qualifie d'opinion publique, mais cette opinion publique, je vais m'en remettre au travail de l'idéologie sur lequel je vais intervenir dans un instant. Avant d'arriver à ce que les opinions peuvent avoir de collectif, je rappellerai que, ici je remets Condorcet, que dans l'espace de la classe,
eh bien, c'est bien les savoirs qui sont légitimes en tant que contenu enseigné, même si nous demandons à l'élève d'être momentanément des crédules consentants. Ces élèves peuvent demander ou à l'enseignant de justifier les savoirs. Alors, l'opinion, je disais qu'il y a bien quelque chose de collectif dans l'opinion publique. L'opinion majoritaire résulte-t-elle d'un processus de genèse qui lui est propre, ou est-ce que c'est juste au hasard qu'on a une opinion majoritaire sur un sujet donné? Chomsky et d'autres auteurs dans les années 70 ont étudié la façon dont l'opinion publique peut être façonnée par un groupe d'intérêts. En l'occurrence, Manufacturing Consent, le titre du livre, c'était la fabrication du consentement. Ce livre explorait comment les intérêts industriels, médiatiques, financiers et militaires pouvaient ensemble façonner une opinion publique à l'égard de la justification des interventions militaires des États-Unis en dehors de leur territoire. Eh bien, Chomsky décrit en effet des processus qui façonnent en quelque sorte l'opinion publique. Et lorsque ceci se produit, eh bien, on a des justifications rationnelles et des principes d'autorité qui se mettent en place pour servir les intérêts d'un collectif. Et donc, l'idéologie, elle est bien un processus collectif d'abord, mais qui a quelque chose de plus que ce que Tableau ne peut montrer. Qui a quelque chose de plus, c'est que l'idéologie, d'abord, en quelque sorte, avance masquée. Autant les croyances religieuses, et tout particulièrement les monothéismes, voudraient ou tendraient depuis le début de leur histoire à régir ce qui se passe dans le domaine public et donc se manifester ostentatoirement, autant les idéologies, elles, de leur côté, avancent masquées parce qu'elles sont récurrentes. Deuxième propriété, elles sont récurrentes, c'est un peu comme des serpents de mer qui reviennent, et elles sont réfutées, et leur jeu, leur stratégie est déjouée, donc elles replongent, mais elles ressortent de nouveaux oripeaux, et ces oripeaux, elles les empruntent à l'histoire et à la science. Précisément, l'idéologie instrumentalise la science et l'histoire. D'ailleurs, ce qui est la même chose, pour moi, l'histoire fait partie de la science. L'idéologie instrumentalise la science à ses besoins, elle réécrit l'histoire à ses besoins, et elle pratique pour cela quelque chose qui a été bien identifié, c'est la réduction, c'est-à-dire réduire pour mieux appliquer ailleurs. Ça a été décrit plusieurs fois par des philosophes et des sociologues. L'idéologie va isoler un élément de discours scientifique de son contexte de validité, le déconnecter de ce qu'il rendait en quelque sorte pertinent, pour le reconnecter ailleurs avec d'autres éléments, et ainsi le fragiliser, l'isoler, et pouvoir en faire ce qu'on veut. Et cet isolement, cette réduction pour mieux appliquer ailleurs, elle se fait évidemment de manière masquée pour déjouer en quelque sorte la manipulation. Un exemple, pour être moins abstrait, très rapidement, un exemple, il y en a un que je connais bien, c'est le travail qu'a fait Herbert Spencer en 1860, enfin dans les années 1860, à partir de l'origine des espèces de Charles Darwin. Spencer a été lire l'origine des espèces et a ponctionné seulement une partie qui l'intéresse, c'est-à-dire la partie de la sélection qui se joue en termes de compétition entre les individus. Pour Darwin, la sélection naturelle était complexe, elle se faisait de sélection sexuelle, d'éléments de compétition, d'éléments de coopération. Il y a plusieurs facteurs qui jouent en même temps. Dans ce que Darwin appelle la lutte pour l'existence, mais lutte, c'est au sens des efforts que doivent faire les organismes pour subvenir à leurs besoins ici et maintenant. Dans ces efforts, il y a la coopération, il y a la compétition, il y a séduire les partenaires sexuels, il y a le camouflage, enfin bref, j'en passe. Spencer va puiser là-dedans un élément qui l'intéresse et va l'appliquer à la philosophie économique de l'Angleterre victorienne, avec un discours qui, en somme, est « n'aidez pas les pauvres », parce que si vous aidez les pauvres, on le voit bien avec la sélection naturelle de M. Darwin, vous allez favoriser la reproduction des individus qui ne devraient pas survivre, des individus, en l'occurrence, socialement indésirables, parce que socialement nécessiteux,
et donc vous allez baisser la qualité de vous risquez de baisser la qualité de la population anglaise. Les bourgeois de l'Angleterre victorienne sont obsédés par la qualité de la population anglaise. Et là, on a typiquement un travail idéologique libéral qui consiste à laisser faire, en quelque sorte, le jeu des appropriations et des expropriations dans l'économie anglaise pour que les plus forts l'emportent, en l'occurrence ceux qui sont déjà en place, en fait. Donc, on a ici un discours, comment dire, conservateur, en même temps libéral, et qui convient très bien à l'économie anglaise de l'époque. Seulement, voilà, on a véritablement ici, ça c'est quelque chose qui a été bien éclairé, on a typiquement le travail de l'idéologie qui consiste à réduire la sélection naturelle à un élément pour l'appliquer ailleurs et pseudo-justifier une posture morale et politique sur laquelle d'ailleurs Darwin n'a jamais tenu à s'énoncer. Bien au contraire, en 1871, il reprendra la parole pour dire que l'entraide est une caractéristique majeure de l'émergence des sociétés humaines, des sociétés animales, dont évidemment les sociétés humaines. Et surtout, en 1876, Darwin récusera par écrit les écrits de Spencer. Donc, ce n'est pas Darwin qui est à l'origine de cette pensée-là, c'est bien Spencer. Et contrairement à l'appellation malheureuse, et j'en termine là, cette appellation malheureuse qui aura été produite par un journaliste français du nom de Gautier en 1880, on a appelé cette pensée darwinisme social, alors qu'en fait, Darwin n'est pas concerné par cette pensée. Alors, pour montrer la puissance de l'idéologie, on peut prendre cet exemple du travail des sociologues américains de l'université du New Hampshire, l'équipe de Lawrence Hamilton. On interroge un échantillon d'Américains sur l'attention qu'il porterait à une série de photos qui montrent le couvert de glace de l'océan glacial arctique en septembre, tous les ans, en septembre entre 1979 et 2009. Pendant 30 ans, tous les mois de septembre, la photo satellitaire est prise et cette série de photos montre qu'en 2009, le couvert de glace de l'océan glacial arctique est réduit de 40% par rapport à ce qu'il était en 1979. Et on demande à l'interviewé si cette photo l'inquiète, est-ce qu'elle mérite d'être sérieusement prise en compte, qu'est-ce que ça signifie. Et puis, on enregistre pour la personne interviewée son niveau scolaire et si elle vote démocrate ou républicain. Et les deux courbes que vous voyez là montrent que même si on démarre avec un niveau scolaire relativement faible, avec des visions du monde qui sont divergentes, élever le niveau scolaire d'une population, on devrait s'attendre à faire converger, s'agissant des questions de fait sur le monde réel, hein, je ne parle pas là de questions d'opinion ou de questions, j'ai envie de dire, de croyance, sur des questions de fait relatives au monde réel, scientifiquement démontrées. Si la culture scientifique augmente avec le niveau scolaire, on devrait avoir les deux populations qui se rejoignent, bref, on devrait faire converger les représentations rationnelles du monde réel, sans quoi, quelle société voulons-nous faire, quelle société construire, comment fonder un vivre ensemble si nous n'avons pas un minimum d'éléments de représentation rationnelle du monde réel en commun. Alors ça, c'est les courbes telles qu'un Français, vous et moi, vu les métiers que nous faisons, c'est une courbe à laquelle on s'attendrait. Or, le résultat de l'étude de Hamilton, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'avec le niveau scolaire, l'attention qui est portée à cette donnée sur le réchauffement climatique, les opinions divergent. La représentation diverge. Plus un démocrate est éduqué scolairement selon l'axe des abscisses, plus il va prendre au sérieux et s'inquiéter du réchauffement climatique, prendre au sérieux ses photos et s'inquiéter du réchauffement climatique, alors que plus un républicain, à l'inverse, est éduqué scolairement, plus il va récuser ses photos et plus il va les contester, en fait. Et donc, c'est la première fois que j'ai vu ce résultat-là, ça m'affiche une claque, en quelque sorte, parce que je me suis dit, nous travaillons à forger chez nos concitoyens une représentation collective et argumentée, rationnellement fondée du monde réel. Et pourtant, plus nous élevons le milieu scolaire, apparemment, ça ne produit rien sur
l'opinion de ses concitoyens, bien au contraire, avec le niveau scolaire qui augmente, les opinions divergent, en quelque sorte. Les représentations divergent. Alors, ne soyez pas inquiets, finalement, par ce résultat, parce que ce n'est pas l'école qui est en jeu, en réalité, mais c'est directement le travail de l'idéologie. Et c'est pour ça que je le cite ici, c'est que, avec le niveau scolaire, on augmente chez nos concitoyens la capacité qu'ils ont à aller collecter des données, ici ou là, et on les rend plus performants dans la collecte des données. Mais néanmoins, ces individus restent humains et ils sont soumis à un biais cognitif qu'on connaît bien, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, parmi la douzaine de biais cognitifs qui sont classiquement décrits, le biais de confirmation, vous savez, c'est ce biais qui nous enseigne que nous sommes plus sensibles à la confirmation d'une information déjà reçue, ou nous sommes plus sensibles à la confirmation d'un cadre idéologique qui est déjà présent, plutôt que nous ne sommes sensibles à la récusation de ce cadre ou à la réfutation de ce cadre. Et donc, l'un des éléments de réponse pour expliquer la divergence de ces deux droites, l'un des éléments de réponse, c'est qu'en effet, aujourd'hui, avec la toile et les modalités de surf sur la toile, de page en page, la toile, en quelque sorte, fonctionne comme une pente glissante, c'est-à-dire qu'elle nous engage davantage, alors que le biais de confirmation est déjà, potentiellement puissant, eh bien, la toile va nous engager de plus en plus vers ce biais de confirmation. Et plus on est éduqué, plus on sait aller faire ses courses dans les données, plus on est éduqué, plus on se sent légitime à contester quelque chose qui semblerait être officiel, plus on va mobiliser d'arguments. Et ce qui explique pourquoi, peut-être, eh bien, plus on est éduqué, plus la contestation d'un fait va prendre de l'efficacité et de la puissance. Donc, il y a deux explications à ces courbes. Il y a le biais de confirmation et la toile d'un côté, et il y a la légitimité à contester ou à conforter une représentation du monde qui est peut-être au début, qui n'est là qu'en germe, mais qui va prendre de la puissance avec le niveau scolaire. La divergence de ces courbes n'est pas directement liée à l'action de l'école, bien sûr, elle est liée au cadre idéologique qui prévaut en quelque sorte. Ce biais de confirmation, si vous ne l'avez pas en tête, il explique, d'ailleurs j'y reviens, il explique pourquoi les horoscopes fonctionnent. Petite expérience rapide. Le matin, vous regardez un journal, l'horoscope vous prédit, en fonction de votre signe astrologique, quelque chose qui va se passer dans la journée. Et si quelque chose, en effet, se passe de positif dans la journée, tel que l'avait prévu l'horoscope, il existe un lien dans votre mémoire entre la prédiction du matin et la réalisation de cette prédiction dans la journée. Et le fait qu'il y ait un lien entre les deux éléments va cristalliser dans votre mémoire la relation comme positive, et le soir vous allez rentrer, vous allez en parler à vos proches. Tandis que, deuxième scénario, si le matin l'horoscope dit quelque chose et que dans la journée il ne se passe rien de particulier de ce qu'avait prévu l'horoscope, l'absence de lien ne va pas inscrire aussi fortement dans votre mémoire la récusation de l'horoscope, ce qui fait que le soir vous rentrez et on n'en parle pas spécialement à ses proches parce qu'il ne s'est rien passé, et, bof quoi. Et puis pire même, ça c'est encore un autre sujet, si le matin l'horoscope dit quelque chose pour soi et que dans la journée il se passe le contraire de ce qu'a dit l'horoscope, eh bien ça sera très difficilement un motif de récusation. Parce que finalement, on le remarquera si peu que le lendemain on relira son horoscope, parce qu'après tout l'horoscope il est fait pour espérer et il n'est pas fait pour expliquer le monde. En tout cas, nous sommes plus sensibles à la confirmation de ce qui a été annoncé qu'à la réfutation. Et il faut, quand on navigue sur la toile, on peut s'en rendre compte soi-même, il faut une discipline mentale de faire pour arriver à résister au principe de confirmation lorsque l'on surfe sur la toile. Alors, ce travail de Hamilton a été confirmé, enfin, les résultats de ce travail ont été confirmés par une étude plus récente de 2017 dans le compte-rendu de l'Académie des sciences américaines, où les auteurs nous exposent que les individus qui ont une plus grande culture scientifique et capacité à réfléchir scientifiquement
ont des opinions davantage divergentes au regard de questions chaudes à l'interface sciences et sociétés. Et dans cette étude, on a six thèmes, trois thèmes fondamentaux et trois thèmes appliqués, qui sont étudiés, l'utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques, ce qu'on pense du Big Bang, ce qu'on va penser de l'évolution humaine, ce qu'on va penser du changement climatique, ce qu'on va penser de l'utilisation des nanotechnologies et de l'utilisation, par ailleurs, des organismes génétiquement modifiés dans la nourriture. Sur la colonne de gauche, on enregistre le niveau d'éducation générale de la personne. Au milieu, on enregistre son niveau d'éducation générale en sciences. Et puis, sur la colonne de droite, on étudie, enfin, on prend en compte si la personne est capable de lire et d'écrire de la science de manière plus sophistiquée. On enregistre aussi dans le spectre politique si la personne est plutôt extrêmement libérale, etc., jusqu'à conservateur et extrêmement conservateur. Donc, c'est un peu plus fin que juste démocrate et républicain. Et puis, dans l'ensemble des figures de droite, ici, on regarde sur le plan religieux si la personne est plutôt libérale, plutôt modérée ou plutôt fondamentaliste. On est dans un contexte américain ici, hein. Et on remarquera qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique dans lequel ces études montrent des divergences qui s'accroissent avec le niveau scolaire, mais il y a aussi l'évolution humaine en fonction du parti politique, mais surtout en fonction de l'appartenance religieuse. On voit que pour des populations assez peu éduquées, eh bien, l'évolution humaine avec le niveau scolaire remporte des points de vue de plus en plus divergents entre des fondamentalistes qui, plus ils sont scolarisés, plus ils contestent l'évolution, et des libéraux qui, plus ils sont scolarisés, plus ils ont tendance à prendre l'évolution au sérieux. Donc, il y a des sujets qui ne fâchent pas trop. Par exemple, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans la nourriture ne montre pas de grandes divergences. Par contre, le réchauffement climatique, on le voit ici, font partie des sujets qui sont les plus clivants en fonction de l'augmentation du niveau scolaire. Aux États-Unis, le Big Bang et l'évolution sont des sujets relativement clivants parce que, en fait, on est là sur l'ontologie du monde, on est là sur les origines de ce qui existe. Et en général, dans les partis conservateurs, on a tendance plus, dans les partis conservateurs, à écouter ce que disent les pasteurs et les chefs religieux que dans une vision plus libérale aux États-Unis. En tout cas, ça serait difficile de mettre des correspondances entre les partis politiques tels qu'ils existent en France et les partis tels qu'ils existent aux États-Unis. Les études approchantes ont été faites en France, notamment au niveau du sujet des vaccins, notamment par l'avant-dernier rapport de la Fondation Jean Jaurès. Donc, résumons-nous. Résumons-nous, on en a bientôt fini. Hop, je reviens sur le petit tableau. Donc, ce tableau tel que je le présente ici, on pourrait discuter pendant une après-midi sur chacune des lettres inscrites dans ce tableau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'épistémologie sophistiquée ou de sciences cognitives sophistiquées, il s'agit de dégager les grandes tendances. À la marge de ces tendances, on trouvera toujours des cas un petit peu discutables. En tout cas, ces tendances permettent de caractériser la différence pour des élèves entre, enfin pour des enseignants déjà, et puis même, c'est là que j'allais en venir, même pour des élèves, entre savoir, croyances religieuses et opinions. Si je laisse de côté les idéologies, dont j'ai longuement parlé, mais qui peuvent expliquer un certain nombre de contestations dans le cadre scolaire, ce tableau tel que vous voyez là fonctionne dans une classe de quatrième. Je l'ai testé 10 fois avec des élèves de quatrième. Et la séance, très rapidement, se passait de la manière suivante. Les élèves sont assis en rond, on met les quatre mots dans une urne. Les élèves sortent l'urne, déplient le papier, lisent le mot et on fait un relevé de représentation de ce que les élèves pensent de ce mot. C'est quoi pour vous une croyance? Et dans les réponses multiples que les élèves fournissent,
eh bien, on va puiser les éléments de discours qui relèvent soit d'une mention du collectif, soit d'une mention du personnel, ou les éléments de discours qui relèvent soit du principe d'autorité, soit de la justification rationnelle. Et finalement, on construit de proche en proche avec les élèves ce tableau sans l'écrire, en mettant en exergue dans ce qui ressort de la classe, par exemple, le fait que les savoirs sont collectifs, en mettant en exergue le fait que les savoirs se justifient. En fait, on met en exergue les éléments du tableau qui vont arriver. Et à la fin de la séance, au bout de 40 minutes, on trace ce tableau à double entrée sur un tableau et on demande aux élèves de venir remplir les cases. Et ils savent, ils ont bien compris le débat, ils viennent remplir les C et les P, les J et les A aux bons endroits. Et si un élève se trompe, ce sont finalement les autres qui vont le corriger. Donc, c'est vraiment l'émergence. Enfin, l'art consiste à faire émerger du collectif le tableau à sortir. Je n'apprends rien aux enseignants qui m'écoutent. Ce relevé de représentation et cette convergence des représentations est plus efficace pour que l'élève retienne le tableau plutôt que l'exposé frontal de ce tableau déjà fait tel que je suis en train de le faire actuellement, par exemple. Pour terminer, je dois vous dire que dans les expériences qui ont été faites, 2 jours après, des tests ont été réalisés sur les élèves pour savoir s'ils avaient retenu le tableau. Le tableau est juste à hauteur de 75% des élèves 2 jours après, ce qui m'est apparu un score très élevé. Mais ça veut dire qu'en ayant participé à la construction de ce tableau, les élèves l'ont efficacement retenu et semblent l'avoir compris, car dans la façon dont les enseignants les ont interrogés, ils n'ont pas mis les lignes dans le même ordre, voyez, pour éviter le psittacisme mnémotechnique. Et donc, ils ont bien compris le tableau parce que même les lignes prises dans un ordre différent, ils savent remettre les bonnes caractéristiques dans les colonnes. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que cet outil peut certainement épauler les enseignants. Et pour terminer sur cette conférence, je voudrais juste rappeler, puisqu'il s'agit aussi de laïcité, dans tout ce qu'on dit là, finalement, le savoir scientifique est tacitement laïque et c'est pour cela qu'il est passivement compatible avec le projet citoyen de Condorcet, c'est-à-dire que c'est les savoirs qui vont primer dans l'espace de la classe et pas les représentations religieuses. Les sciences, je l'ai dit, reposent sur des règles du jeu. Je n'ai pas dit quelles règles du jeu, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On pourra peut-être faire un ou autre webinaire sur les règles de la science, mais en tout cas, il y a un jeu à jouer en science. Et les petites boules bleues qui sont là sont des acteurs qui fabriquent la science, d'où le S au centre de ce cercle. Et bien, chacun de ces acteurs peut être affilié à une religion R1, R2 ou R3, mais la règle du jeu n'est pas modifiée en fonction de l'appartenance religieuse de chacun. Je vous le dis tout cru, un article scientifique dans une revue spécialisée n'est pas refusé ou accepté au motif de l'appartenance religieuse ou de l'appartenance politique du premier signataire de l'article. Ça serait complètement inconcevable. Il y a d'autres règles qui régissent l'acceptation d'un article que je ne mentionnerai pas aujourd'hui. Donc, s'il y a un jeu à jouer ensemble, c'est qu'il y a des règles. Et si ce jeu peut être joué, c'est que les règles sont communes à tous. S'il commence à y avoir, mais ça c'est vrai pour un match de foot aussi, hein, si les règles du match de foot commencent à être différentes si on est juif, musulman ou chrétien, on est mal parti. Il n'y a plus de jeu à jouer. Hein. Donc, qu'on joue à un jeu ou qu'on soit dans un laboratoire scientifique, les religions sont au vestiaire. Et finalement, c'est ce qui nous dit que, quelque part, autant les sciences que l'espace de l'enseignement des sciences sont des espaces laïques au sens de leur neutralité métaphysique. Nous, les scientifiques, nous ne sommes pas des prescripteurs en matière de métaphysique. Et d'ailleurs, si le prof de philo, lui, de son côté, peut aborder ces questions, le prof de science, lui non plus, n'est pas prescripteur en matière de métaphysique. Ce que je dis là est expliqué avec plus de détails dans Savoir, Croyance, Opinion chez Bonne Éducation. Et ici, j'ai rajouté quelques conseils de lecture. Je suis prêt à écouter vos questions. Merci à vous. Merci Guillaume. Merci beaucoup Guillaume. Merci Guillaume d'avoir écouté, participé. Merci beaucoup pour les retours directs. Et je vais donc laisser Samuel et Stéphane. Regarder un petit peu, enfin déjà aussi vous participants, nous poser d'autres questions. Je sais qu'il y en a déjà eu, c'est pour ça.
Il y a une question qui est arrivée très tôt dans ta conférence, Guillaume, mais à dire vrai, je m'y attendais parce que j'avais envie de te la poser, et qui est une difficulté dans laquelle peuvent se trouver les enseignants, dans la mesure où ils demandent aux élèves, je le présente de façon volontairement caricaturale, ils vont demander aux élèves de croire, sur la base d'un argument un peu d'autorité, parce que c'est le professeur, que ce que l'enseignant leur enseigne, c'est bien un savoir scientifique. Et comment gérer cette difficulté? À un moment, on demande à l'élève de croire, puisque l'enseignant ne peut pas tout redémontrer. Il ne peut pas redémontrer que l'ADN est constitué de nucléotides, etc. etc. Ça ne doit pas être vécu comme une difficulté. J'ai bien distingué la croyance en tant que confiance de la croyance religieuse qui est indifférente à sa propre remise en cause. L'élève est dans une situation de crédule consentant, mais ce qui est cru peut faire l'objet d'une justification dans l'espace de la classe. On peut demander à quelqu'un qui fait état d'une croyance au regard de la croyance qu'on a en un savoir ou la confiance qu'on remet à l'enseignant qui dispense un savoir, eh bien, cette croyance-là, elle peut se justifier par l'enseignant ou par un autre élève à côté, d'ailleurs, dans un débat. Donc, cette confiance-là, qui est l'antichambre du savoir, elle n'est pas néfaste, elle résulte d'une confiance immédiate qui peut demander à se justifier. Tandis que la croyance religieuse, elle, est indifférente à sa propre justification. Elle repose sur un principe d'autorité intangible. Elle n'a pas besoin de se justifier pour exister, la croyance religieuse. Donc, je pense que autant ce qui est dispensé dans l'espace de le contenu de ce qui est dispensé, ça relève des savoirs, autant la façon dont on accède à ce savoir procède dans un premier temps d'une posture de croyance et dans un deuxième temps d'une posture de justification. Parce que la confiance dont je parlais, cette croyance au sens générique, c'est la confiance dont je parlais, n'empêche pas l'élève de lever la main et de demander à l'enseignant de se justifier. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement dans la croyance, tu as deux grandes catégories de croyances, l'une qui pourrait amener à des justifications, et c'est dans cette catégorie-là qu'on trouverait les savoirs transmis, alors que les croyances qui restent uniquement, qui reposent uniquement sur les arguments d'autorité, bah finalement, ne peuvent jamais rentrer dans cette catégorie. Oui, exactement. C'est-à-dire que les deux croyances, la croyance au sens générique et la croyance religieuse, reposent toutes les deux sur un principe d'autorité. Seulement, la première, comme tu l'as dit, est ouverte à un principe de justification, alors que la deuxième est fermée à un principe de justification. C'est ça la différence, en fait. Et donc, la croyance au sens ouverte à un principe de justification, comme antichambre, hein, comme premier pas d'accès au savoir, ça ne doit pas être vécu comme problématique. Ça fait partie, comme tu le disais, on ne peut pas tout redémontrer en même temps, de toute façon. On passe la plupart de notre journée à croire. Je reprends toujours cet exemple du physicien ou de l'astrophysicien qui me parle. Je le crois. Je peux pas tout redémontrer ça prendrait un temps infini. Et un élève qui remet en cause ce lien de confiance, c'est vrai que le mot confiance plutôt croyance est plus adéquat dans ce cas-là. Concrètement, en classe, c'est pas facile à gérer. Tu peux pas organiser une séance de savoir opinion croyance, si j'ose dire, comme tu viens de nous la décrire. C'est comment faire pour restaurer ce lien de confiance face à un élève qui ne veut pas faire confiance, hormis par une explication d'ordre épistémologique comme celle que tu viens de nous livrer de manière très très claire. Là, on est au-delà des SVT. Hein. Ça concerne dans ce cas-là pas seulement le cours de sciences. Ça concerne l'ensemble de ce qui est dispensé à l'école. C'est-à-dire que restaurer la confiance de l'élève, ce sont des processus. Comment dire, sauf à rappeler quelle est la règle du jeu dans l'espace de la classe, mais c'est pas le rappel de la règle du jeu politique qui va restaurer sa confiance, on est bien d'accord. Ça va juste indiquer le cadre et le fait qu'il soit pas dans le cadre.
on ne peut pas mettre un pistolet sur la tempe d'un élève. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a besoin, dans le cas extrême que tu cites, on a besoin de dispositifs scolaires supplémentaires. Si la confiance en l'égard des enseignants était totalement perdue, il y a des dispositifs spécifiques qui doivent être mis en place, mais qui relèvent, comment dire, qui relèvent. L'institution. Je ne sais pas si c'est gérable dans l'espace de la classe. D'ailleurs, je ne vais pas faire votre métier à votre place, hein, mais ça relèverait d'un dispositif plus personnalisé dans ce cas-là, type psychologue de l'école ou dialogue avec les parents, parce que cette perte de confiance, elle ne vient pas de nulle part. Hein. Ce qui veut dire aussi que si c'est quelque chose qui est fréquent ou qui concerne beaucoup d'élèves, finit par devenir difficile à gérer. Oui. Alors, encore une fois, il y a le rappel du contrat politique. Après tout, si on lâche prise, on peut dire, vous pouvez très bien ne pas faire confiance, mais de toute façon, la règle du jeu dans l'espace de la classe, c'est ça. Et il y a le volet cognitif où l'enseignement des ressorts de l'esprit critique peut-être restaurer la confiance si cette confiance n'empêche pas l'élève d'utiliser son raisonnement, parce que c'est ça le fond du problème. C'est que, est-ce que la rupture de confiance dont tu parles va empêcher l'élève de consentir à utiliser au moins un raisonnement, enfin, je veux dire, les ressorts de la raison, ou est-ce que c'est un blocage qui n'appelle aucun dialogue et une fermeture totale? Et dans ce cas-là, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Et alors, il y a deux questions intéressantes et qui se rejoignent. La première, c'est comment ne pas détruire, entre guillemets, une croyance religieuse d'un élève et la faire cohabiter toujours, entre guillemets, avec nos savoirs? Et la seconde question d'un de nos auditeurs qui s'interroge, nous ne pouvons donc pas discuter avec les croyants religieux, tenter de justifier les savoirs, est-il donc vain? Alors, sur la première question, là encore... Moi, je ne suis pas prescripteur dans votre métier. Hein. J'essaie de fournir des outils dont on peut s'emparer ou pas, mais ça, c'est pas. Comment dire? Les enseignants ne peuvent pas prendre sur leurs épaules, me semble-t-il, la peur de détruire ou de conforter une croyance religieuse. Le lien que l'élève fait, ou que d'ailleurs les adultes, le même problème se pose. Souvent, d'ailleurs, dans les conférences, les adultes demandent, mais est-ce qu'on peut être scientifique et religieux à la fois? Comment gérer cette articulation entre une croyance religieuse et un savoir scientifique? Cette connexion, ou cette mise en cohérence, elle appartient à chaque individu. C'est ni aux scientifiques de gérer ça, ni aux enseignants. Je pense qu'on se tromperait si on avait peur de détruire les croyances religieuses des élèves. L'articulation que l'élève fait, c'est à lui de la faire. S'il y a un problème, il peut aller voir son chef religieux. L'enseignant ne peut pas endosser le rôle du chef religieux ou des parents. L'enseignant, il fait juste son travail. Imaginez le boulot que ça serait si on devait prendre précaution avec toutes les représentations métaphysiques du monde qui existent dans une classe. Si on devait prendre précaution pour chaque élève, parce qu'il y en a qui sont athées, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela, il y en a qui sont... Enfin, je ne citerai aucune option métaphysique particulière, même si j'en ai déjà fait une, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait tellement de représentations, tellement d'options métaphysiques différentes dont il faudrait prendre précaution presque, qu'on ne pourrait plus enseigner les SVT. Donc, on n'a pas à prendre en compte cette idée que l'on pourrait éventuellement détruire une conception religieuse d'un élève. Ou d'ailleurs même la conforter, peu importe, j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas, mais on n'en finirait pas. Je pense que le même problème se pose pour les enseignants du supérieur, comme nous, faisons notre travail et ne cherchons pas à endosser... Est-ce que c'est pas un argument qui peut être dit
par les profs lorsqu'ils sont sollicités par des élèves sur ces questions-là, des élèves qui questionnent le lien entre le savoir transmis par le prof et puis leur propre croyance religieuse. Est-ce que l'argument, il existe tellement de religions qui ont tellement de conceptions les unes les autres différentes que finalement, les savoirs scientifiques permettent aussi de créer un pool de connaissances commun et qui ne peut pas prendre en compte justement les liens avec toute cette diversité de conceptions par ailleurs. Oui, c'est-à-dire que là, en effet, on peut mettre en avant une caractéristique des sciences qui est un projet universaliste et non dogmatique de la connaissance. Universaliste, pourquoi? Parce que, quelle que soit la religion des individus à la surface du globe, tout individu qui est bien disposé à utiliser sa raison pour une entreprise collective et rationnelle d'explication du monde réel, ou du moins même apprendre à ce que cette démarche a permis de savoir sur le monde, tout individu bien disposé à utiliser sa raison dans ce sens-là doit pouvoir bénéficier des résultats des sciences, sachant que ces résultats demain peuvent changer. Universel, parce que c'est bon pour tous les humains engagés dans une rationalité collective, quel que soit leur pays et quelle que soit leur religion, et non dogmatique, parce que on sait que demain ça peut changer. Donc oui, cette démarche-là est beaucoup plus inclusive et comment dire, et universelle que la fragmentation métaphysique de l'humanité, j'ai envie de dire, hein, si je peux le dire comme ça. Justement parce que cette démarche, elle est en deçà de la métaphysique. Elle n'est légitime que pour discourir sur le monde physique, le monde qui, là-dehors, existe indépendamment de moi, le monde qui, lorsque j'agis dessus, réagit. Eh bien, ce monde-là, il est là-dehors pour tout le monde. Et les sciences font ce pari, d'ailleurs, que l'espoir qu'on a qu'un collègue à qui on n'a jamais parlé, ni envoyé un mail, puisse retrouver le même résultat que celui qu'on a trouvé. Eh bien, c'est bien le pari que cet espoir repose sur le pari que le monde existe indépendamment de nous. Et donc, on a peut-être une marge de manœuvre ici en disant, oui, mais les sciences, elles sont produites internationalement, quelles que soient les religions des chercheurs, quelles que soient leurs opinions politiques aussi, et que c'est pas ça qui joue pour valider un résultat, en effet. Stéphane, dans la question précédente, il y avait une deuxième question que j'ai déjà oubliée. Il y avait deux questions d'un seul coup, j'ai oublié la deuxième. Je suis désolé. Alors attends, je vais remonter dans le chat, mais en attendant, je te donne une question qui t'a été posée là aussi au tout début de l'exposé. Une enseignante qui demandait s'il y avait des stratégies que l'école pouvait adopter pour contrecarrer le biais de confirmation. Ah, bah tiens, il y a un petit bouquin là qui est affiché, le petit livre de défense intellectuelle, qui déploie une douzaine de biais cognitifs standards. Est très très bien, hein. Je l'ai lu, il est super. Accessible à Ouais. tout le monde, voilà. Ouais. Quelle stratégie peut-on développer pour contrer le biais de confirmation? Bah, ce n'est pas facile parce que le biais de confirmation, il arrive assez vite. Je vais répondre presque avec un pas de côté. Alors, il y a des pédagogies que la main à la pâte a mises en place pour ça. Je ne peux pas les restituer ici, bien sûr, mais j'ai envie de dire. Peut-être qu'il faudrait passer par le saut, le retour au saut de confiance. Mais ça, je sais que les enseignants le font. Quand les élèves sont face à la toile, eh bien, apprendre à lire un site, comment dire, un site dont le rôle est de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, un site qui est public, qui garantit le bien public, avec quel type de logo, est-ce que, en gros, les sites institutionnels du public. Pouvoir faire ses choix de site en valorisant les logos des institutions qui garantissent la fiabilité d'un contenu de connaissance. En gros, faire le tri dans les sources, ça les enseignants le font déjà. Et une fois qu'on a fait le tri dans les sources, eh bien, on sera déjà beaucoup moins enclin au biais de confirmation que si on surfe d'une page, j'ai envie de dire, d'une page à l'autre au gré des scores ou des hits, si vous voulez, de Google et des pages qui apparaissent comme étant soit les plus pertinentes selon les critères de la plateforme, soit les plus vues, ce qui n'est pas nécessairement d'ailleurs, les plus vues ne sont pas nécessairement les sites institutionnels. Donc déjà, en passant par là, on
on évite une grosse partie du biais de confirmation. Sinon, des séances de TP pour apprendre à se déjouer des biais de confirmation, ça c'est typiquement de la pédagogie. Il y a des solutions qui existent, mais que je ne peux pas restituer ici et maintenant. Il y avait un journaliste qui proposait, qui disait sur les sujets d'actualité, qu'il conseillait de lire toujours les journaux qui étaient à l'opposé de nos préférences politiques et d'accepter de lire leurs arguments de façon justement à pouvoir éviter ces biais de confirmation systématiques. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que tu penses de cette démarche. Mais... Oui, il y a plusieurs éléments. Moi, dans le temps, quand je me rappelle très bien quand j'étais au lycée, on travaillait sur la connotation et on montrait un même fait divers relaté par deux journaux, mais ça se fait toujours, hein, c'est très fécond, hein, un même fait divers relaté par deux journaux qui sont idéologiquement diamétralement opposés. Et rien que la façon dont le fait divers est restitué, on apprend la connotation, et cette connotation elle-même étant un des mécanismes qui renforce le biais de confirmation. Alors, ça ne sera pas suffisant, hein, ce que je dis là, bien sûr, mais on peut s'entraîner à voir... j'ai envie de dire à peser les éléments pour et contre, mais j'insiste sur les sites institutionnels. C'est que malgré tout, notre confiance, et ça en tant que citoyen et surtout en tant qu'enseignant, notre confiance doit prioritairement aller vers ces sites institutionnels. Ça serait très difficile de travailler, me semble-t-il, hein, sur le biais de confirmation à travers n'importe quel site sur la toile, parce que finalement, sur la toile, on y trouve tout et n'importe quoi. Alors que travailler sur le biais de confirmation en ne partant que de sites institutionnels me paraît prendre moins de risques. Mais je ne vais pas inventer une séance maintenant en 3 minutes. Hein, ça, c'est... voilà. Je vous donne mon intuition, mais c'est vous les pédagogues, ce n'est pas moi. Alors, la deuxième question, merci Guillaume, la deuxième question c'était, nous ne pouvons donc pas discuter avec les croyants religieux, tenter de justifier les savoirs est-il donc vain? Non, je crois qu'autant on n'a pas à se préoccuper de ce qui se passe dans la tête de chacun, dans l'articulation qu'il y a à faire entre des savoirs et une croyance religieuse, autant je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut renoncer à dispenser le savoir. En tout cas, si le croyant religieux dont il s'agit est un élève, eh bien, il faut discuter de la légitimité des savoirs sans nécessairement expliquer pourquoi la croyance de l'élève n'est pas fondée. Il suffit d'expliquer pourquoi les données scientifiques sont fondées, elles, de leur côté, et on s'en remet... j'ai envie de dire l'articulation entre les deux, même si l'élève est en demande. Je sais que la principale demande des élèves, c'est justement mais dites-nous ce qu'on doit penser avec les savoirs que vous nous enseignez, qu'est-ce qu'on doit en conclure sur nos croyances. Et ça, c'est pas à l'enseignant d'intervenir là-dessus. D'une part, et d'autre part, je ne sais plus ce que je voulais dire. L'interlocuteur est un adulte et qu'il s'agit de soutenir mordicus la vérité d'une croyance révélée, je sens derrière la question en effet qu'il y a une attitude de pessimiste en quelque sorte, c'est peut-être pas possible finalement de discuter avec. Ben, ça dépend comment. La discussion elle doit être dans ce cas-là épistémologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède à la connaissance et est-ce que la prétention qu'ont les croyances religieuses à régir la connaissance, sur quoi sont fondées ces prétentions? Sur l'adéquation à un texte sacré, sur le respect d'un principe d'autorité, mais justement, les connaissances scientifiques sont exemptes dans la façon dont elles sont générées. En principe, elles sont exemptes du principe d'autorité. Et donc, et pour cause, elles peuvent changer demain. Donc, le savoir scientifique, il est dynamique, il est ouvert, alors que la croyance est à la fois intangible et indifférente à sa propre justification. Et donc, on ne joue pas dans la même cour. Je ne vois pas comment on peut dialoguer avec des croyants, sauf avoir un dialogue véritablement épistémologique, c'est-à-dire comment
on accède à la connaissance scientifique. Et après tout, est-ce que les religions doivent se mêler de connaissances scientifiques, sachant la dynamique propre à la connaissance scientifique? Il y a quelqu'un qui pose une question sur qui revient sur les biais de confirmation et sur je vais élargir un petit peu la question sur le fait que les algorithmes et je pense notamment au fait qu'aujourd'hui que ce soit Google, Facebook ou autres nous proposent des contenus qui sont en rapport avec nos précédentes consultations. Est-ce que ce n'est pas un moyen justement de renforcer ces biais de confirmation, d'enfermer les gens dans finalement leurs croyances et voilà, c'était une question. Oui, tout à fait. Je parlais de la toile comme une pente glissante. Alors, c'est pas moi qui le dis, ça. C'est Gérald Bronner, dont le livre apparaît ici, La démocratie des crédules, en gros, Bronner est un sociologue de la crédulité et il étudie sur la toile ce qu'on appelle le nouveau marché de l'information, le nouveau marché cognitif, où tout le monde peut publier sur à peu près tout. Et la toile va produire, au début de la toile, nous étions peut-être naïfs, nous nous disions qu'avec le village planétaire, en quelque sorte, on va converger vers une représentation du monde commune, en tout cas une base, pas complètement identique bien sûr, mais au moins on va fonder une... C'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, la toile génère des archipels, tout à fait, des archipels cognitifs, des archipels de croyances, et on préfère, ça c'est bien décrit, on préfère faire confiance à son voisin de réseau plutôt que de faire confiance à des sites institutionnels, site de l'INSERM, le site du CNRS, et c'est même on en arrive à des paradoxes inouïs, c'est qu'une bonne partie des gens... peut-être sociologiquement meurtris, se sentent exister en se convaincant eux-mêmes qu'on veut leur mentir. Mmh. Et donc, plus ce qui est dit est officiel, plus on va se méfier de ce qui est dit, ce qui est quand même un comble, en fait. C'est un déni de bien public. Oui, excusez-moi. C'est un déni de bien public, quelque part. Et il n'y a plus de bien public, du coup, pour ces citoyens-là. Donc, restaurer la confiance, tout à l'heure, on parlait de restaurer la confiance de l'élève dans l'enseignant. Mais il y aurait aussi à restaurer la confiance de nos concitoyens dans les services publics et dans celles des fonctions des services publics, la main gauche de l'État, qui redistribue des bienfaits sous forme de fiabilité de connaissance. D'ailleurs, nous faisons tous ici présents, nous faisons tous partie de ces métiers. Pour moi, qui a la charge de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, parce que je suis payé par une institution qui a ce rôle précisément, et puis pour vous, les enseignants, la fiabilité de ce que vous restituez comme connaissance envers les élèves. La rupture de confiance envers le bien public dépasse largement le débat qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est un débat politique beaucoup plus sociologique et politique beaucoup plus profond. Il y a eu deux, trois questions ou remarques autour de comment aborder les objections et des élèves qui refusent, qui ne remettent pas en cause le savoir proprement dit, mais qui refusent d'y accéder parce que il est contraire à leur croyance ou à ce qu'ils souhaitent apprendre, notamment sur les questions de reproduction ou d'évolution. Alors ça peut être pour des raisons religieuses aussi, oui. Pardon. On va peut-être juste répondre à cette question, et parce que je vois qu'on a quand même beaucoup de monde doit nous quitter, donc on ne va peut-être pas prolonger encore, même si bien sûr je pense qu'en fait c'est un sujet sur lequel on pourrait encore discuter pendant toute la soirée. Mais après, s'il reste des questions, il ne faudra pas hésiter à nous les communiquer par mail en fait, pour qu'on puisse y répondre après au cas par cas. En fait, il y a une série de questions qu'on n'a pas abordées, mais qui peut-être justifierait, Guillaume, un deuxième webinaire de ta part, qui est plus sur la méthode scientifique et sur les savoirs scientifiques, sur les régimes de preuves, le lien entre l'observation et l'expérimentation d'un côté, les modèles de l'autre. Voilà, je... Mmh. Ben, on refera un webinaire sur la scientificité. C'est ce que peut-être que ça pourrait être utile. Là, il s'agissait d'une distinction didactique entre voilà, savoir, croyance, croyance religieuse et opinion, mais
Mais s'agissant du savoir, on peut rentrer plus profondément dans sa caractérisation, citer quelques propriétés élémentaires du savoir scientifique. Qu'est-ce qui fait que, en gros, une assertion peut être ou peut ne pas être qualifiée de, ou ne peut pas être qualifiée de scientifique. Voilà, en gros, c'est ça. Pour la dernière question, donc, c'est le phénomène de l'élève qui se ferme comme une huître, en quelque sorte, ça coule. Il n'y a pas de contestation, mais ça, c'est une attitude de fermeture. On est là pour dispenser un bien public. Je ne pense pas qu'on soit là pour, nous les scientifiques, nous ne sommes pas légitimes à prescrire une option métaphysique particulière. On serait pas laïque d'ailleurs si on le faisait, et les enseignants non plus. Donc, si les enseignants n'ont pas légitimité à régir ce qui se passe dans le monde métaphysique, enseignant de SVT, j'entends. Le chercheur en bio non plus, il n'y a pratiquement rien à faire, me semble-t-il, face à quelqu'un qui est totalement fermé à l'adhésion à un savoir scientifique. Cela dit, la posture de fermeture, ça ne veut pas dire que l'élève n'a pas entendu. Ça demandera peut-être à faire son chemin un peu plus tard. Donc, ça vaut quand même le coup d'enseigner les sciences, même pour quelqu'un qui apparaît fermé en première instance. Il restera peut-être quelques bribes à un moment où la personne sera à un âge où elle sera en mesure de s'interroger davantage sur ses options métaphysiques. Une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas être trop pessimiste. S'agissant des lycées, il peut y avoir des enseignants, comme les profs de philo, qui sont plus légitimes à aborder les questions précisément qui relèvent de la métaphysique. Et donc, il y a des cartouches en plus, en quelque sorte, il y a des moyens d'action en plus à faire des partenariats avec le prof de philo. Alors, je sais que ça ne va pas consoler les enseignants de collège, ce que je dis là, mais en tout cas, les enseignants de lycée, il y a des binômes qui se font déjà, prof de SVT, prof de philo, pour dépasser, en quelque sorte, le blocage dont parle Samuel. Et parce que le prof de philo, lui, il va faire réfléchir des élèves sur des éléments de discours qui dépassent le périmètre de légitimité des sciences, qui met le pied en métaphysique précisément. Et pour terminer, même si on n'a pas le prof de philo sous la main, il y a quand même les ressorts de l'esprit critique. Et je suis persuadé qu'il y a des solutions pédagogiques de ce côté-là. Répéter que l'évolution est vraie ou répéter le bien fondé du cours sur des éléments de biologie du cours sur la reproduction, peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie. Peut-être que la bonne stratégie, il faut l'imaginer, hein, cette stratégie pédagogique, c'est d'utiliser des éléments d'esprit critique bien documenté, hein, un esprit critique qui est à la fois bien documenté et méthodologiquement structuré, pour que la petite graine soit semée en quelque sorte et arriver à ouvrir la personne à l'esprit scientifique. Merci beaucoup Guillaume pour Merci, Guillaume. De cette conférence Merci. Et de ces échanges et bien sûr de vous être rendu disponible pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les participants pour votre intérêt, pour toutes les questions et les échanges que vous avez suscités avec nous aujourd'hui. Et donc, on vous retrouvera le mercredi 10 février pour le prochain mercredi des sciences avec donc en présence de Céline Bon. Je peux dire un truc, Violaine? Bien sûr. Oui, Guillaume, puisque tu as mis à l'écran un de tes opus Savoir, Opinion, Croyance, je fais juste une petite annonce pour tous ceux qui nous demandent quand est-ce que la deuxième édition du Guide critique de l'évolution va être disponible. Ce sera à la rentrée prochaine. Voilà, la réforme du lycée étant passée par là, le projet a pris un petit peu de retard puisque le bouquin est épuisé, mais ce sera disponible à la fin de l'année. Super. Et donc, je rappelle, je l'avais dit au début de la conférence, tout le monde n'était pas forcément là. Le replay sera donc à disposition dès demain. Je l'envoie à tous les participants, tous les inscrits par mail. Et les ressources et le contenu de cette présentation, comme de tout
toutes celles qui auront lieu lors des mercredis des sciences seront à disposition sur le manuel numérique Max, notamment en SVT cette fois-ci. Le manuel numérique de Belin Éducation qui est à disposition de tous les enseignants et les élèves qui utilisent les manuels Belin Éducation en classe. Voilà. Merci. Hélène, tu as plein de demandes sur le replay de la conf de Marc-André, peut-être. Oui, aussi. On, oui, on oui, peut oui. Rappeler comment on y accède. Oui, je vous redonne aussi donc dans le lien, enfin dans le mail pardon, que je vous fais demain, je vous mets à la fois le replay d'aujourd'hui et celui du mois dernier. Comme ça, vous aurez, tout le monde aura les deux replays en même temps. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci à tous. Et à très toutes. Bonne soirée. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume, et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.